Merci à tous. Merci Gilbert Lang. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai passé avec ça un moment. Merci beaucoup. Donc on vous invite à monter au pôle musique au deuxième étage pour donc écouter les Cat Flowers, un groupe Monsieur qui est vraiment rend hommage au Beatles. Oh, ça c'est le collecteur. Merci. Ben oui, je suis si content de vous voir pour ça. Ça c'est le collecteur. Ben oui. Waouh. J'ai écouté toutes vos émissions à l'époque. Messieurs, bonjour. Je vais vous bousculer un petit peu parce que je suis obligé d'installer pour vous. Oui, bien sûr. Mais alors, vous avez le CD quelque part? Oui, je l'ai mis de côté, oui. Ne vous inquiétez pas. Non, mais le seul endroit où on peut signer, c'est avec ça, mais pas avec ça. C'est quoi votre prénom? C'est Sacha, à Le Camp. Je vous enlève la chaise derrière. D'accord. Oui, un rapport avec le... Henri Alcan? Oui, tout à fait, c'était mon papa. Ah bon? Oui. Oh, dis donc. Il m'a eu très tard. À l'âge de 55 ans, c'est pour ça. Là, j'avais pris un gros feu trop rouge, mais ça marche très bien, ça fonctionne très bien là-dessus. Oui, j'avais suivi. J'étais très intéressé par toutes les émissions à l'époque. Merci beaucoup. Ah, bah, c'est ça, moi. Ça se voit plus en. Ça se voit, hein, quand même. Oui, bah, c'est très gentil. Je suis allé voir hier. Vous pouvez mettre la date, s'il vous plaît. Oui, juste bien ajouter sûr. La date. Et on est le quoi, justement? Le 15 15. Ouais. 12. Merci. Tac. Super. Je suis allé voir hier soir, si vous avez l'occasion, au théâtre de Belleville, 94 rue du Faubourg du Temple, un quatuor qui s'appelle les Gevrey-Chambertin. Et qui. Et ça s'appelle Gainsbourg, moi non plus. Et c'est des chansons, la plupart du temps, pas très connues. C'est la première partie de la carrière de Serge. Ouais. C'est formidable. Ah. C'est jusqu'à la fin de l'année, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi et samedi à 21h, dimanche à 17h. Vraiment, je vous recommande. C'est un petit théâtre, c'est pas cher. C'est... Voilà. Très bien. J'ai une petite fan de 15 ans. Est-ce que vous connaissez une date éventuelle de concert pour les Beatles? Mais bon, c'est pas de Paul McCartney lui-même. Je sais pas. C'est un beau fait pour son anniversaire. Oh là, non, c'est, non, on referait plutôt. Regardez sur Internet. Sur le site de Paul. Ouais. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Non, il n'y a rien de prévu. Mais il a donné un concert cette semaine. On va laisser monsieur s'installer. Il y a eu un concert cette semaine au profit des victimes de l'ouragan Sandy. Pour lequel Paul McCartney a réuni quelques amis, en l'occurrence Roger Floyd, Eric Clapton, Mick Jagger, Richard. Voilà, il y a des images qui sont sur le web. J'ai passé un moment génial. Merci beaucoup. Laissez-moi vous embrasser. On va être obligé de vous écouter. Je vous ai rappelé ma Le refus va pas changer avec vous. Oh, parfait. Oh, papa, avec des histoires. Oui, c'est celle qui avait inspiré les. C'est-à-dire pas qui. Excusez-moi, je pense à une chose. Vous avez bien dit que la maman de la première note s'appelait Julia. Oui. La chanson Julia, elle est chantée par McCartney. Non. Non, c'est déjà. Tu l'as Julia. Mais non. Ah d'accord, je réécouterai. Oui. Non, c'est sur le même album, il y a Martha My Dear, sur le même album, et Martha My Dear, c'était la chienne de Paul. D'accord. Julia. Mais il y a un lien entre... Oui, bien sûr. Oui, hein. Et puis il a fait une autre chanson sur sa mère qui est célèbre, c'est sur son premier album solo, et qui s'appelle Mother. Mother, you have me, but I never had you. Tu m'as eu, mais moi je ne t'ai jamais eu. Ouais. Et puis il se met à crier, de désespoir. Ah. C'est à l'époque où il faisait une thérapie qui était la thérapie du cri primal. Il essayait de retrouver la violence du cri que l'on pousse à la maison. Ah, d'accord. Il est sorti. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Donc j'étais passé.